Bonjour à tous et bienvenue dans cette Nouvelle vidéo parce que on en fait encore une autre. Bah tout le temps de toute façon. Ah oui, d'ailleurs, le mercredi 17h et le dimanche 10h. Enfin bon, sauf dimanche dernier parce que. Elle est sortie à 11h. Ouais, il y avait le décalage horaire, on s'est trompé. Bref. Et de cette vidéo, du coup, qu'est-ce qu'on va voir? Alors, dans cette vidéo, nous allons voir Luléo. Qui s'écrit Luléa, mais avec un petit rond dessus. Et en fait, quand c'est un A avec un rond dessus, ça se prononce O. D'ailleurs, vous remarquerez dans la vidéo l'erreur de Charlène. Donc voilà, maintenant vous le savez. Et moi, je ne le savais pas. Donc Luléo, et c'est à peu près tout, parce que après, c'est... Luléo et sa fameuse route des glaces. Ouais. On vous laisse découvrir ça dans la vidéo. Et un joli petit village aussi. Ah oui, la vieille ville de Luléo. C'est ça. Bonne découverte. Salut, salut. Ce chien est complètement fou. Il a pris sa laisse et il est content. C'est plus facile parce voilà. Il est content, il est content. Il se promène tout seul. Voilà, voilà. Complètement malade cette famille. Franchement, je changerai pas ma famille. On vient d'arriver, regardez, ça c'est la mer. Et la neige, comment dire ah, merde. Ouais, c'est ça. Ah, c'est bon là. Ah, c'est bon, je suis ressorti. 1, 2, 3. Il galère. Allez. C'est bon, c'est bon. Et là, ah mais j'ai les chaussures, elles sont... c'est la mer. C'est la mer. Hop. Bonjour, bonjour! On se retrouve, on est à Luléa, encore pas mal plus haut du coup. On va faire la route de glace. Voilà, mais là en attendant, je voulais vous montrer, regardez. Il y a des sculptures de glace. Oups là! Oui, fais attention, Lia, elle va pas glisser. Hein. Hop, regardez, il y a plein de sculptures dans la neige. Enfin, de neige, oui, plus que de glace. Regardez, c'est joli. Voilà, c'est bizarre quand même. Hein. Un peu chelou. Hein. Il y en a des un peu bizarres. C'est quoi ce poisson? C'est bizarre. Bizarre, bizarre. Enfin voilà. Et la route de glace, elle est là. Et hey, qu'est-ce que vous faites? On met les crampons. On met les crampons. Des crampons, pour quoi faire? La glace! Pour marcher sur la glace. Bon, on a loué ça? Bon, c'est... Non, en fait, c'est gratuit. C'est prêté par la ville. C'est prêté par la ville. Et ça du coup, ça marche trop bien, on vient d'essayer. Vas-y, Charlène, vas-y. Ah non, pas le temps, là. Vas-y, 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 allez, à fond, à fond, à fond. Regardez-moi ça. Ça glisse trop bien. Ah, ça glisse trop bien. Et puis Liam, il fait tout seul. Allez, go! Go! Allez, go! C'est ça qu'il faut faire!
Non, freine pas toi. Moi je suis bien entraîné. T'es tombé. Tu vas en guider l'air. C'est un peu dur à diriger quand même. Ouais. T'inquiète, moi quand je tourne vers la bas, moi je freine. Hein. Moi je vais en freiner. Tu veux pas, papa? Non, c'est bon. En frein, je fais un peu de patin. C'est trop bien. C'est trop cool. Donc je filme un peu pour Insta aussi. Wow, on voit la glace en dessous là. C'est chaud. C'est trop beau. Je suis dérape. T'as vu comment la glace elle est cassée là? Regardez. La glace elle est cassée. Voilà. Trop bien. Ça glisse bien. Qu'est-ce qu'il fait lui? Mais il est dans la neige. Reviens par là. Reviens par là. Il s'est coincé lui-même. Allez, viens! Montre comment tu sais faire! Ouais, il fait des dérapages et tout, c'est un truc de malade. Moi, je vais me faire emmener, hein. Je le sens. Hein. Tu es prêt? Photo, ce serait carrément... Allez, vas-y! Là, tu te pousses. Allez, go! Allez, Liam, vas-y! Ouais! Salut lapin! Petite pause ravitaillement. Ouais. Et puis madame met ses patins parce que ça lui donne trop envie là. J'avais aussi envie de tester. Mais là, regardez-moi ce soleil et tout là. Et regardez-moi la glace. Allez, tiens. Non, franchement, c'est trop bien. Tu y vas tout seul? Tu le prends tout seul le tien, puis moi je prends le mien et puis maman devant? Ouais, grave. Allez, go. On va faire ça. T'es prête? Il m'en reste un. Allez, t'es prête? Allez, ouais. Allez. Du coup, tu veux lequel? Je prends celui-là. Je prends celui-là? Oui. Ok. Bon, ben voilà ma monture. Hein. T'es parti pour ma monture. Ah oui, tes gants. C'est mieux avec les gants. Quand même, ouais. Allez, vas-y, mon chat. Allez, c'est qui va arriver le premier là-bas? Je sais pas si c'est un homme. Il y a des grosses fissures dans la glace, ça fait moitié peur. C'est la mer, hein. Ouais, c'est l'eau de la mer, ouais, je sais. C'est bien, tu patines? Ouais, ça patine trop bien. C'est bien? Je cours! Bon alors, qu'est-ce que vous faites? La fatigue. Hein? C'est ça, là, non? Là, c'est pas trop fatigant, t'avances à ton rythme. Ouais, on peut avancer plus doucement. On avance plus doucement. Ok, là-bas? Oui. T'es déjà crevé? Oui. Coucou, les amours. Liam, non, je vais pas faire une photo. Il est épuisant. C'est là qu'il faut que tu prennes des vidéos, tu sais, pour faire ton réel TikTok. Non, Insta. Mais t'avais dit que c'était un truc tranquille. Mais t'avais dit que c'était une balade. Et là, tu nous vois, tu sais, toi à fond avec les patins, moi à fond avec le machin. Mais vous avez dit que c'était tranquille. En moto. C'est interdit, mais il est en moto. Bah moi je suis prêt hein. Après au pire le truc. Ah bah l'autre il accélère, voilà.
puis après il dit qu'il est crevé. Allez, va. Moi, je préfère rester sur une, en fait. Allez, va-t'en, ouais. Ouh. Alors, les patins ? Trop bien. Ça va, lapin ? Sur la neige, c'est plus simple. Vas-y, fais-nous une petite démo, là. Ils ont le tourni là. En arrière, en arrière. En arrière, c'est longtemps que je ne vais pas faire. T'es trop forte. Voilà, on tente là. La petite figure. La petite figure. Ah ouais. Waouh. C'est pas ça la petite figure. Après, il doit rester un patin. Normalement, on va attraper le patin. Je suis pas encore. Elle est pas au top de top, hein. Après, après un mois de glace, peut-être que tu seras au top. Allez, Yann, il coupe la route, lui. Regardez, on voit bien la glace là. Je sais pas si on verra en vidéo. Ah si, on voit. Voilà, on voit super bien. C'est au chaud de la neige. Je sais pas. C'est des bulles. Des bulles d'air, je pense qu'ils sont coincés sous la glace. En tout cas, il y a tout ça de glace, t'as vu? Franchement, voilà, c'est extra. Wouhou! Ça, regardez. Trop beau. Ah, alors, qu'est-ce qu'il nous fait de bon? Une bonne petite pizza, comme on est branché ce soir, on en profite du four à fond. Ouais, là, du coup, on est donc à Luléa, comme on l'a dit, mais on ne trouvait pas à se garer, et le seul emplacement où on a trouvé à se garer, c'était une aire de camping-car, et du coup, bah, c'était payant, mais on pouvait se brancher, donc on n'avait pas forcément prévu de dormir dans la ville ou quoi cette nuit. Mais on s'est dit, bah écoute banco, au moins on galère pas à se garer, on reste là pour cette nuit, on a les lecs, on recharge à fond. On est voilà. À 80 donc ça va. Mais... Oui c'est ça, mais au moins on va utiliser le four, on va brancher le chauffe-eau, on va pas se faire prier pour... Puis ben, on regarde le Gaulois en même temps. Hein. Voilà, tranquille. En même temps de faire la petite pizza. Avec Liam on vient de ranger sa chambre. Ah, il était grand temps. Enfin, voilà, du coup c'était hyper cool, hein, franchement, cette petite balade. Franchement, c'était cool. Et ouais. Toi, tu iras peut-être faire un tour demain matin? Ouais, c'est possible. Avant qu'on parte? Ouais. Pouh. Bon? T'as rangé ta chambre? Tomate. Non! Manger! Si peur de quoi, poivron. Tu veux montrer ta chambre rangée? Ouais! Allez. Je prends ça du coup. Ouais. Alors, regardez. Ouais. Tadam! Il me se fait ma petite chouette. Voilà, ça y est. Voilà, parce que là avant, on ne pouvait plus marcher dans sa chambre. Tout là, c'était que du bazar. On est en train de s'habiller pour aller nettoyer le bus parce que regardez ça. Est-ce que c'est possible, ça? Non, non, non. Bientôt, il va faire nuit dans la chambre. Non, non, mais vraiment, là, faut faire quelque chose. Hein? Là, ça va, mais c'est quand même dégueulasse, les vitres. Enfin, voilà. Le bus n'est bientôt plus jaune, il est marron. On est en train de se couvrir comme des cosmonautes. Et puis, pourtant, il fait pas hyper froid, hein, mais voilà. Mais c'est la porte ouverte. Oui. Okay. Ça va être dur hein, pour laver. Hein. Ah oui.
Quoi? Maintenant, on va devoir fermer. Je suis bête. C'est bon? Ouais. Et voilà, regardez ce bumblebee, bah, c'est pas parfait, mais franchement, par rapport à avant, c'est tellement mieux. Ah, tout beau, on le retrouve avec sa couleur jaune, ça fait plaisir. Même l'arrière, regardez du coup, parce que franchement, voilà, on va pouvoir revoir dans notre chambre, on va aller voir ce que ça donne. Qu'est-ce que tu veux montrer à la caméra, toi ? D'accord. Mais en dessous, il y a un truc qui sent mauvais. D'accord. Mais comme ça, on est sûr. Tu t'amuses bien, toi, dans les grandes mottes de neige? Je pense que toute la ville, quand tu veux des neiges, ils viennent mettre là, en fait. Allez! D'ailleurs, il faut que vous m'aidez. Faut qu'on t'aide ? Ouais. Hop, c'est beau, hein ? Hop. Alors, là, on est dans le petit village de Gamelstad. Je dis pas de bêtises. Connu pour sa belle église et son petit village.
et en fait il y a plein de petites maisonnettes qui sont pas forcément en fait habitées à l'année. Et si j'ai bien compris, attention, j'espère que s'il y a des pros, corrigez-moi. Souvent près des églises, il y a beaucoup de petites maisons comme ça, parce que en fait, pour venir en fait sur les lieux de pèlerinage avant, ça demandait du coup beaucoup de temps. Avec la neige et tout ça, que c'était compliqué, c'est des conditions très rudes. Et du coup, quand ils arrivaient, ben comme ça, ils avaient en fait une petite maison où vivre en fait le temps du pèlerinage, et ensuite ils repartaient. Voilà. Alors peut-être, je pense que maintenant, peut-être qu'il y en a qui sont habités ou quoi. Mais si j'ai bien compris, il me semble que c'est ce que j'avais lu dans un guide ou je sais plus où. Je me suis enfoncée dans la neige. Donc voilà. Donc ce qui fait qu'il y a plein de petites maisonnettes comme ça, souvent autour des églises. Voilà, donc c'est le premier village qu'on voit comme ça, mais apparemment il y en a plein. Ah, Tsokrat me tire. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo mécanique. Non, je rigole. Je viens juste vous faire une petite vidéo pour mon installation de feu de recul, parce que je vois strictement rien du tout. J'ai quelques trucs. Tac. Ça. Je vais mettre deux feux comme ça. Voilà, voilà. Au moins je verrai, je vais les mettre là. Et puis comme ça, quand je reculerai, ça sera mieux. Et l'installation de la caméra de recul aussi. Ça fait longtemps. Voilà. Comme ça, c'est bien. Non, c'est pas bien.
Bon, bah, impeccable. J'ai mis mes deux feux, là et là. Et ma petite caméra de recul, bah, je ne l'ai pas essayé. Je l'essaierai plus tard. Mais c'est tout branché, c'est tout accroché, ça risque à rien. Et voilà. Allez hop. Sur ce, en route !